Salut à tous. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était le nouveau projet que j'ai créé, Jou Finance. Donc, vous avez pu voir donc toutes les informations que pour seulement 100 euros, vous pouvez avoir accès à cette formation qui mélange justement formation et pratique, théorie et gain d'argent en direct. Maintenant, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer à qui vraiment ce Jou Finance était destiné, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut participer. Bien entendu, il y a des critères. Donc, comme j'expliquais déjà dans la première vidéo, c'est mieux d'être en France parce qu'il y aura peut-être certains business, enfin, ça dépend vraiment des business, mais certaines choses que vous pourrez pas faire parce que justement c'est valable que en France. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir au minimum 18 ans parce qu'il faut être majeur voilà, pour faire certaines choses également. Donc voilà, c'est à peu près deux critères importants. Après, il faut bien entendu parler français vu que tout est en français et comprendre le français, tout ça. Et également, avoir un ordinateur avec Internet, un téléphone portable, un smartphone avec Internet. Voilà. Sinon, sans Internet, sans ordinateur, sans portable, on ne peut pas se débrouiller pour faire ça. Donc voilà un peu les critères. Après, bon, vous allez vous dire, Jou Finance, bon, bah, c'est peut-être adapté que pour la communauté juive. Mais en vérité, pas forcément. En gros, pourquoi j'ai appelé ce projet comme ça? Parce que c'est une continuité un petit peu de Jou Store, parce qu'il y aura, disons, certaines choses qui auront un lien avec Jou Store. Mais voilà, si quelqu'un n'est pas juif mais connaît un peu le judaïsme, etc., tout ça, il peut également s'en sortir sans problème. Et sinon, au pire des cas, bah, de toute façon, il y a beaucoup, quand même, la majorité du programme ne concerne pas du tout, il n'a aucun lien avec Jou Store ou le judaïsme, donc il n'y a pas de souci aussi. Donc voilà un petit peu pour toutes les informations et à qui est destiné ce programme. Donc je rappelle la date de démarrage, le 2 septembre.